dans l'ensemble, le tournoi était bien organisé. Donc on est venu avec l'intention de se qualifier pour le DKC. On fait pas partie des favoris, mais on avait confiance en nous. On savait qu'on avait atteint nos objectifs, c'est-à-dire gagner le maximum de matchs pour être DKC. Donc c'est ce qu'on a fait lors de la première journée. On a pu engranger 2 victoires importantes. Bon, là c'était dimanche. Lundi, ça s'est un peu moins bien passé. Parce qu'on est tombé sur une équipe très en forme de Côte d'Or. Ils nous ont battus, et puis ensuite on a joué contre le Côte, sachant déjà qu'on était qualifiés. Donc, ce qui a fait que naturellement ils étaient plus agressifs que nous. Et ils ont pris le match en leur compte et ils l'ont emporté. Ok. Et pour la suite, est-ce qu'il y a probablement de nouvelles arrivées? Ou est-ce que vous partez avec ce groupe? Et comment vous voyez dans le tableau que vous allez intégrer? Oui, donc l'équipe qui a joué le play-in, c'est l'équipe qui va jouer le DKC. Bon, il y a des joueurs qui étaient alignés, qui faisaient partie de l'équipe, mais qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu se retrouver nous. Donc, on a des joueurs, par exemple, qui sont à Yaoundé. Donc, les joueurs de Douala, mais qui vivent, qui sont actuellement à Yaoundé pour des raisons professionnelles. Donc, on les attend lors du début du DKC. Ok, ben, félicitations pour votre qualification. Merci. Et rendez-vous en août prochain. Merci. Ciao, ciao. Merci.